Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon, les petits potes, Henry, Pelé, Dybala ou Lewandowski, c'est ce qu'on recherche un peu au niveau des grosses notes qui pourraient rentrer dans notre équipe pour la faire encore plus forte au niveau de la note générale. Donc c'est ce qu'il faut paquer. Donc là on va ouvrir tout ça, on va faire des 84x10, etc. Tranquille, on a fini la qualif, on a fait les défis qu'il y avait à faire. On se prend plus la tête. Wimmer, bah vas-y, c'est parti. Il y a pas de petite récupération. Donc on doit aussi finir les AO, hein. Il nous reste plus beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être aller focus les AO vu qu'il y a des petites notes entre guillemets qui sont demandées. Pack joueur 84+. Tots, ok, on prend. Messi. Almad, lui là, parfait, 93. Pack 2 joueurs rares noté 81+. Ok, nice. On aime bien des Tots là-dedans. Brésil, DC. Bremer, 93. Très bonne note aussi. Hein. Et Mendy à l'intérieur. Très pratique aussi, parce qu'on n'a plus beaucoup de joueurs hors rares en vrai. Pack de joueurs 81+. Ça, c'est tous des packs qu'on a. On a juste joué la qualif en vrai. 5 matchs. Et on a reçu tous ces packs-là. Hein. Et tu vois à quel point c'est fort. Hein. Rempli de grosses notes. C'est pour ça que tous les SBC sont gratos. D'autant plus que les 84x10 sont revenus à l'heure actuelle. Donc clairement, c'est puissant quoi. Donc tu te fais des joueurs gratos. Et là, après là-haut, je pense qu'on va faire Roberto Carlos. Histoire de se dire, au pire, on a un 97 défenseur gauche. Parce que pour l'instant, il n'y a pas meilleur. Et je sais pas s'ils vont sortir meilleur ou pas. Donc du coup, autant le prendre. Et vu que c'est gratuit, encore une fois, ben voilà. Ça ne change rien parce que les 84x10 sont cumulables. Tu reçois 10 joueurs à chaque fois, tu en mets 11. Tu mets plus de petites notes que ce que tu reçois. Au final, faut profiter de faire ces joueurs-là tant que c'est gratuit. Quoi. Donc, les AO 99, on le prend parce que ben, dans le thème du truc, il rentre. Et Roberto Carlos, dans le thème du truc aussi, il va rentrer. Parce que à l'heure actuelle, si je vous montre mon équipe vite fait pour que vous compreniez un petit peu où c'est qu'on en est, en sachant que bon, les AO va rentrer, mais va un petit peu complexifier la tâche hein, du truc. Mais en gros, il nous faudrait Lewandowski pour jouer avec deux buteurs, Haaland et Rashford. Du coup, on pourra mettre 99 à gauche. Les AO. Il faudrait à droite justement quelqu'un à 98 parce que Vinicius du coup ne pourrait plus être dans l'équipe. Ensuite au milieu de terrain c'est bon, on a ce qu'il faut, 99, 98 c'est plutôt sympa, on pourrait peut-être trouver mieux. Et là en défense on a Mateus du coup, on a Florenzi 97 c'est plutôt pas mal, je sais pas s'il y a mieux d'ailleurs à droite pour l'instant. Gardien c'est bon, la croix faudra peut-être le changer un jour. Et à gauche ben c'est pour l'instant le gros bémol, hein. c'est la plus petite note donc du coup il nous faudra voilà. Et tu vois sur le banc on a de quoi faire éventuellement des petits changements, on est plutôt pas mal. Mais ben on va essayer de grappiller petit à petit quoi. 75+. Dis donc, même là-dedans, pack des tots. Haaland ? Ah non. Ok, nice, c'est un petit Romero. Et on a un nouveau 99 dans notre équipe, en la personne de Leao, qui doit être quand même très sympathique à jouer. Hein. Il faudra qu'on le teste, je pense qu'on va le tester sur Fut Champion, sûrement. Et Leao qui rentre dans le club, les potes. 2 millions et quelques pour un peu les 99, c'est rien, entre guillemets. Ça donne envie, tu vois. Tu te prends un peu les 99 sur le côté droit. En pointe, bon bah je te prends Lewandowski si tu veux te faire une équipe full de 99, tu vois, tu prends pas la tête, tu prends Lewandowski. Lionel Messi aussi, 9 millions, bon, ça c'est un peu plus cher. Neymar, 99, mais là on a déjà un 99 donc on s'en fout. Tu vois, en vrai, ça te coûte pas très cher de te faire une équipe à 99. Là en fait, tout ce qu'il faut pas, c'est un pack avec un seul tot, c'est que des horreurs. Ça serait le pire pack qui existe là pour moi. Il faudrait 4-5 tots quoi. Voilà, tu vois, ça c'est le pack parfait. Et ça, voilà, là on va pouvoir accumuler. Parce qu'on va utiliser peut-être 6-7 joueurs de ce pack-là. Donc il va nous en rester 6-4, tu vois. Et voilà. Et à chaque fois, tu gardes 4 joueurs en plus, 4 joueurs en plus, 4 joueurs en plus, grosse note. Et puis bah du coup, voilà. Mais donc là, tu vois, faut maintenant bombarder les 84x10 jusqu'à qu'à chaque fois que t'en fais un, t'aies des doublons. Toutes les icônes que j'ai eues, je vais les récupérer au bout d'un moment, tu vois, que j'ai mis dans les SBC. Faut juste faire attention de pouvoir en faire un ou deux, quoi, dans ton club. Et puis c'est bon, c'est réglé. Buteur allemand, voilà, parce qu'il peut arriver ça, Füllkrug. Donc du coup, là, peut-être qu'on n'a pas beaucoup, tu vois. Voilà, tu vois, là, bon. Ah, ça va, au final. Mais tu vois, déjà un doublon, Rice. Et du coup, là, tu refais. Jusqu'à que, ben, tu aies plein de doublons à chaque fois que tu ouvres un pack 84x10. Puis bon, à tout moment, tu chattes dans un et tu récupères un joueur que t'avais envie, tu vois. Ok, grosse note, ça. Ouais, parfait. 94 Sersegen. Tu vois, quand t'as une très grosse note, c'est cool aussi. Ça te permet de mettre moins de choses. Et on récupère Owen qu'on avait balancé, sans doublon. Parfait. Et donc là aussi, ce que tu peux faire, hein, éventuellement, moi, c'est ce que j'aime bien privilégier, c'est essayer de mettre le maximum de grosses notes pour balancer le moins de gros joueurs, en fait. On a mis que 2 gros joueurs du nouveau pack qu'on avait eu, donc on a gardé Mastots encore derrière, tu vois. Et là, ça nous permet vraiment bah, de remonter. Donc tu fais tout gratuitement, au final. Il n'y a pas d'investissement de joueurs, tu perds rien. Ça prend juste du temps, c'est un investissement de temps. Ah, ça, par contre, ça peut être mauvais. Alors... deux cas de figure. Il peut avoir des énormes dingueries en futis et tout, etc. Quand t'as une petite note comme ça. Parce que ben ça veut dire que ce serait seulement lui après que des hors rares. Donc moi ma théorie c'est quand t'as des petites notes, t'as des gros joueurs. La dernière fois que j'ai dit ça, j'ai eu un 99. Bon, ben là pas. Mais ça aurait pu.
Là, c'est que les tots qui s'affichent dans les animations, donc c'est un peu chiant, quoi. On peut pas vibrer avec les autres animations, c'est un peu dommage. Regarde ça. Le nombre de joueurs spéciaux qu'on récupère. C'est ouf, hein. C'est tout bénef, en vrai. C'est tout bénef. Enfin, c'est vrai que là, cette futie, c'est pas là. Oh, incroyable. Moi, mettre ça là, 96. Joli, hein. Je l'avais jamais packé. Ok, ça aurait presque pu rentrer dans l'équipe, hein. Anglais, MOC, c'est pas ouf. Enfin, Akpom, quand t'es sorti, c'était quand même pas mal, hein. Ok, pas de doublon, on continue. Non, mais c'est trop long après. Ah, bah ça après, c'est. Oh, énorme! Énorme! Ça, c'est beau ça. Eh ben, on prend. Et voilà, des fois, t'as les surprises comme ça, ou ben pour ton équipe, hop, c'est cool quoi. Oula. Ouah, j'ai que des joueurs rares. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est magnifique. Ah non. D'accord, à ce point-là. Putain, mais vraiment, yeah. Faites des efforts, quoi. Igalo, c'est pas ouf, hein. Ok, mais une grosse note avec Richcard, ça, c'est bien. Bonne chance, j'annonce deux futies. Allez, bonne chance à tous. Pack 100 joueurs, rare 82+. Le premier qu'on ouvre sur ce compte, qu'est-ce que ça donne? Bon, alors, bien sûr, ça affiche des tots. Belgique, MC, ok, très bien, c'est une très bonne note, donc ça peut ouvrir pas mal d'autres choses. On n'a pas les plus gros tots qui seront cachés derrière, quoi. Mais ça peut rester quand même assez correct. Ouais, trois doublons seulement, tu vois. Ouh. Allez, futiste à la fin, je crois. Pour l'instant, c'est pas fou, quoi. Wow, au niveau icône. C'est sympa, Van Persie, hein, parce que ça peut rentrer dans l'équipe Manchester et je l'avais jamais eu. Donc sympa, Van Persie, assez content de l'avoir, en vrai. Bon, on en a un, mais c'est un doublon, quoi. Bah, pas ouf. Alors, sympa, pratique, mais pas ouf. On n'aura pas eu le joueur à escompter. On a commencé il y a 2 heures, on a fait les 12 qu'on devait faire pour récupérer toutes les récompenses. À la base, on a lancé Future Play, on voulait faire 7 victoires parce qu'on avait que 2 heures. Au final, on s'est dit, vas-y, on fait 8 parce qu'on a un autre défi. Au final, on s'est dit, vas-y, on essaie d'aller chercher les 12 pour aller finir tous les défis Future Champion. Il nous reste 3 matchs, mais on va pas les jouer, bien évidemment. Pourquoi on a fait tout ça? Parce que, bah, au final, on a réussi à récupérer Konaté et les autres packs 85x10. Donc, ça, c'est bon. Donc, déjà, Mkhitaryan, ça sera un bon fodder. Et puis, on a pu se rendre compte que Konaté était plutôt cheaté là en jouant sur ce Future Champion. Donc, on va voir si on change notre défi. Ou pas, je suis pas sûr, mais en tout cas, il est très très fort. Hein. Konaté ici, très solide. Et du coup, bah, grâce à ça, on peut récupérer ce pack 85x10 gratos, ce qui est plutôt très très cool. Ensuite, on a bien évidemment aussi tous les autres défis qu'on a fait. Bonus Fut Champion ici, c'est ça qu'on voulait faire en priorité, tu vois, 8 matchs, etc., pour récupérer un deuxième pack 85x10. Donc, franchement, on en a masse à ouvrir. On va regarder les petits SBC qu'on pourra faire. Et après, à la fin, on aura aussi les récompenses Fut Champion, donc plutôt solide. Et tout ça en 2 heures vendredi, vraiment. On est plutôt content. On récupère Love aussi qui s'est fait naturellement tout seul. Parfait. Hop, un petit pack joueur et ensuite on récupère Love. Ah, en plus on a joué avec une attelle. Vraiment les gars, ça va vite quoi quand même. C'est chiant, mais ça va. Ouais, je crois que je souvent joue avec une attelle. Bon allez, 83+. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah rien, hein, vraiment pas ouf quoi. Andanovic, on s'en fout un peu de toute façon. J'ai la perfect attelle. T'as vu ça? Mais en vrai, mine de rien, j'ai beaucoup moins dribblé parce que bah du coup, j'arriverai pas à atteindre le joystick correctement avec le pouce. Et du coup, bah ouais. Putain, on fait des tosses partout. Et du coup, bah, ça nous a peut-être aidé. Oh putain, j'avais oublié sa carte à lui. Wow, 95. Lourd. On prend. Premier 85x10. On rappelle qu'on cible Lewandowski, Pelé, R9 qu'on aimerait bien. À l'heure actuelle, c'est tout ce qui nous intéresserait dans ces packs-là. Putain, j'y ai cru, il y avait 3 icônes. Oh. Bon, bah, 99, mais doublon, quoi, tu vois. Dommage. Martinelli est derrière. Magnifique, aucun doublon, que des cartes spéciales, c'est beau. Anglais, buteur Harry Kane, let's go, 95, très bonne note, ça aide énormément pour des SBC. Et derrière, beaucoup de doublons. Portugais, défenseur latéral gauche, on connaît, Nuno Mendes. Ah, pas de truc bien fou. Bon, on a fait des joueurs spéciaux, mais pas forcément de grosses dingues. Genre, puis le... Ouais, après on a eu un 99 quand même, quoi. Allez, c'est parti, Messi. Moi, c'est Messi mon préféré, en vrai. Ça ferait kiffer. Allez! C'est moche, hein. Tant pis. Je pense que j'ai pas, parce que à un note, c'est pas grave. Dommage, on aurait préféré mieux, hein, clairement. Mais c'est pas grave, ça arrive. Allez, 10 joueurs 85+. Lewandowski caché derrière, ou Pelé, s'il vous plaît. Non. On a une icône. Mais c'est pas la bonne. Allez, les titres récompenses fut champion les potes. Donc déjà 2 player pick 84+, on va accepter que des tots. Voilà, très bien. Cabella. Et derrière, nous aurons un petit
Oh non, Fekir. Ensuite ici on a des Métamorphosés ou Tots 92+, franchement ils auraient pu mettre aussi les Futis, mais bon c'est pas grave. On est parti, on regarde ce que ça peut éventuellement donner. 93 Samba pour le premier, et le deuxième ça sera un 92 Zinchenko parce que j'ai envie d'ouvrir les packs et donc je ne prends pas le 94. Pas ouf au niveau des récompenses, mais bon. C'est pour ça qu'ils mettent plein de défis à faire en nombre de victoires fut champion, qui te filent des gros packs, parce que limite, c'est pas, tu préfères avoir un 85x10 que tout ça comme récompense. Allez, c'est parti, pack joueur rare vendable. Donc là, si on pouvait chatter sur un gros joueur, non. Bon, ce serait cool quand même, eSport, filer un petit joueur vendable, tu vois, allez, un petit 50 000 crédits là, on serait méga... Ben, méga content. Voilà, moi je pack un 99 vendable, c'est beau. Écoutez, on prend, hein. On a packé le 99 encore une fois. Bah pas le bon, mais ça fait plaisir. Allez, pack ultime, là franchement si on n'a pas 3 tots minimum, je gueule. Voilà, métamorphosé en plus. Italien, défenseur droit, Orsolini, non? Voilà, exactement. Ah si, il y a un tots, ok. Et 5 doublons, donc 2 cartes spéciales. Eh, 2, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal en vrai. En tout cas, semaine prochaine, ça va être intéressant, parce que s'il y a toute l'équipe, ben nous, on sera là et assidus. En vrai, on est super bien. Quand tu regardes le club à l'heure actuelle, quand tu vois le nombre de pages qu'on a de gros joueurs, on est prêt pour la semaine prochaine en vrai. Tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... On a 8 pages de gros joueurs et après on a quand même pas mal de hors rares aussi plutôt sympa, 83, 82, etc. On est bien. En tout cas, on se capte lundi prochain les potes. Prenez soin de vous. Step Psycho. Bye tout le monde. Ciao, ciao.